Salut mes amis, on se retrouve encore pour un nouvel unboxing. On est toujours dans la session des unboxings, on va terminer avec le gros colis, vous inquiétez pas. Donc là, on se retrouve avec une petite pochette dans le sens où, bon, c'est pas ça évidemment, vous connaissez. Je vous avais parlé il y a longtemps peut-être, non pas encore en vrai, d'un site internet qui s'appelle Tam Surplus, qui vous permet d'acheter plein d'équipements militaires, la survie, plein de choses dans ce style-là. Et il y a quelque chose dans mes affaires que... ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir et que je n'ai pas. Et c'est un garrot. Aussi bien pour simplement pratiquer, essayer en direct, voir, ok, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est simple. Donc voilà, pour 20 balles, vous voyez. Et du coup, là, on est sur un garrot à tourniquet. Il existe aussi un autre type de garrot que j'ai vu il y a longtemps. Et c'est peut-être la suite. Donc voilà, le site Tam Surplus, je l'ai déjà utilisé pour acheter une ration militaire. Évidemment, vous pouvez trouver ça en ligne, sur Facebook, sur Le Bon Coin, ou si vous avez des contacts dans l'armée, dans les bases militaires, tout ça. Je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, pour acheter des rations militaires, c'est un site qui fonctionne très bien. Et également, pour acheter des garrots comme ça, c'est un site qui fonctionne aussi très bien. Donc comme vous le voyez, beau garrot, tout ça, tout ça. Donc voilà. On est sur un garrot à tourniquet, alors il faut juste arriver à l'ouvrir. Ok, tac. On fait le tour, machin. On continue ici. Donc, voilà, c'est du matos personnellement que j'ai envie depuis un sacré moment. Également, comme vous voyez, il y a une partie time. C'est ce qu'en fait, l'idée du garrot, c'est que c'est pour faire une grosse compression. Je ne vais pas vous apprendre ça, mais bon, tu as une fuite de sang, tu saignes et tout. Donc, tu as besoin d'avoir... quelque chose qui vient sur le bras, la cuisse, n'importe, à l'endroit en question. De même, être capable potentiellement de le faire toi de ton côté. Tu le mets en place. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie d'acheter ce genre de matos pour m'entraîner à ce genre d'éventualité. Sauf que on essaiera de voir ça en direct pour bien apprendre à compresser ça. Oh, putain la vache. Ah oui. Et après... à le mettre en place et voilà, à bien serrer à mort. Donc c'est ce genre de choses qu'on testera à l'occasion. Si justement il y a des personnes qui ont des conseils sur tout ça, ben n'hésitez pas à vous signaler en commentaire. Je suis pas du tout calé sur le sujet, mais je me dis que peut-être qu'on a des abonnés infirmiers ou qui ont déjà testé ou pratiqué avec ce genre de matériel. Donc voilà, un garrot simple tourniquet qui servira autant pour de la rando que pour du sac d'évacuation. Avec, on a un petit manuel d'utilisateur, tout en anglais évidemment. Ouais. Donc voilà, vous avez un petit peu un max de choses, le tourniquet. Donc ce sera de la documentation à lire et à tester à l'occasion. Donc voilà, un beau tourniquet des familles, un beau garrot, quelque chose qui j'espère que j'espère ne jamais utiliser. Mais je préfère en avoir un parce que faire une chute en montagne, s'ouvrir une veine ou autre, c'est quelque chose de plutôt pas compliqué à faire. Donc, surtout en été ou à différentes périodes de l'année, qui sont plus ou moins propices à avoir des chutes de pierres, des avalanches, etc., etc. Donc voilà, le garrot, garrot tactique, garrot militaire qu'on va garder. Et j'espère qu'on en fera une vidéo. Enfin voilà, si jamais vous avez envie d'avoir ce genre de format-là en vidéo, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire surtout. Et puis, bah, vous abonner, partager les vidéos et puis... peut-être qu'on arrivera aux 10 000 abonnés. Et si jamais tu regardes cette vidéo-là, qu'on est à 10 000 abonnés, eh ben, écris un gros first en commentaire. Et là, je pense que ça fera mal aux yeux, mais je serais bien content. Et tu auras peut-être un cadeau. Allez, ciao, ciao!